Est-ce que vous connaissez France Connect? Oui. Vous avez des identifiants? Est-ce que ça vous parle? C'est à part de la prise en main du matériel. Ça peut être pour des démarches administratives. Et le rôle aussi d'une conseillère numérique est de donner des indications pour se préserver de tout ce qui est cybermalveillance. Même si j'aurais peut-être pu m'en sortir toute seule sur Internet, mais je privilégie le contact humain et l'échange, parce que malheureusement on croit tout savoir et puis quelquefois on bute sur quelque chose et on a besoin d'une aide extérieure. Jeunes retraités ou même peut-être plus âgés encore sont plus éloignés du fonctionnement même de l'appareil, mais l'électronisme de l'utilisation des démarches peut toucher des personnes d'une trentaine d'années. On se perd très très souvent sur la toile justement.